Bonjour la Guadeloupe, eh bien, Minou, voilà ma canal, Musique avec Culture, qui arrive comme chaque semaine, hein, sur Plateau à Canal 10. Et comme d'habitude, avec des invités de marque, des invités exceptionnels, puisque c'est une émission exceptionnelle. Après, moi, j'ai dit, hein, c'est autres même qui ont dit ça. Donc, on va permettre de répéter ça aussi. Alors, au grand bonjour, bon, disons, téléspectateurs, hein, à la population des Irades, Marie-Galante, les Saintes, Saint-Barth, Saint-Barthélemy, Martinique, aussi l'Hexagone, puisque de temps en temps, il y a pas mal de monde de l'Hexagone qui a envoyé des messages. Hein, si vous êtes mis à l'émission là, qui est à l'écran, MacCanal 47.1, @gmail.com, et on va recevoir tellement de messages que je là, comme ces dernières missions à l'année là, 2021, puisque après l'émission là, ça nous revenons en 2022. Donc on a décidé de voyer un bonjour à pas mal de monde hein, qui est en mouvement, qui a porté mon œuvre. Notamment, on a voyé un bonjour pour les soignants, hein, pour les soignants, pour les grévistes en radio. Il y aura maintenant un combat. Alors, le combat là, il va mener là. Ce soir, c'est un combat qui digne ou pas, pas savoir, on peut répondre à place à yo. Mais on sait que y a une dynamique qui a fait que je là, que y a obligé qu'on soit solide et rester solidaire. En cas, vous voyez, on salue spécial hein, pour des gens qui ont laissé des messages aussi dans les boîtes mail là, en qui nommé Irina, Marie, Alex, Thomas. Alors, notez les prénoms de manière à ce que ça aille moins plus vite. Hein. Jamal, Alija, Kemani, Kendi, Kiani, Chantal, Marie-Louise, Christian, Odile, Gilbert, Marie-Christine, Kanika, Christelle, qui sont chanteuses aussi capotées, Beaumanève, Gladys, Nadia, Chimène, Jocelyne, Dalise, Jocelyne, Florette, je connais les autres, puisqu'elles ont envoyé un message et ils ont vraiment dans des cités au moins pris nos autres. Alors, on va citer aussi Erika Pietrus, qui sont chanteuses qui le monde connaît, et aussi Myriam Bexangel, qui a fait une animation si on chaîne à question chaîne concurrente. Mais enfin, pas de gain de concurrence non plus. Hein. Et donc, on va voir aussi une force pour les familles. Léna Juste, les pistoles, sur ville d'Amato, Tordu, Louis, Garin, Casimir, Morbaï, Jazaron, Belloni, la famille Saint-Martin, Vertino. Et puis aussi, vous voyez aussi, c'est naturel, un grand Kimberen hein, pour toute animatrice, animateur, journaliste à Canal 10. D'accord? Puisque c'est avec eux et grâce à eux que je dis jour à main, tout Guadeloupéen et l'Hexagone, tout côté, qui reconnaître que c'est une chaîne qui a porté bon manœuvre et qui a baillé information en direct. Nous pas passer, nous pas faire montage, les informations arrivées, nous pas prendre et nous pas voyer à casa autres pour informer les autres en direct. Donc ça veut dire que c'est au grand Kimberé dans la famille Canal 10 hein, et puis aussi à la direction dans la famille mais qui prend en précaution mais cité direction là en la personne de Katia hein, un peu Noaï, ni Odile et puis ni Bosla aussi, Lydia Rodriguez. Et qui comprennent, et qui placent à qui comprennent que l'intérêt de la communication, c'était la proximité. C'est pour ces raisons-là ça, que chaîne-là, ça caille en direction là, ça. Et donc, c'est ça, c'est la proximité qui a fait force à l'information là. Alors, bien évidemment, ma canal qui a souhaité à toute population une bonne fête de fin d'année, on a commencé à dire ça toujours parce que c'est une réalité. Et tout de suite, en radio, une très bonne et heureuse année 2022. Pour la précaution, lever pied à autres accélérateurs là, autant ça qui fait ni des jours, et toute famille rentrée en derrière parce que trois jeunes montés en fil à haut. Donc, faut nous rester veillatifs, faire attention à ça. Et puis, nous, les aînés, il faut nous continuer à parler bah les plus jeunes. C'est là qu'ils sont aussi pour un miracle, parce que aussi y a là on machine de course, on circuit de course, etc.
Donc, tout ça pour dire que, alors, dès lors que ça fait, alors, on va expliquer ça, qu'il y a une quoi recevoir, en dégât, à nos premiers temps, une quoi recevoir. Comme d'habitude, quelqu'un met à manioc, des gens qui font le travail, qui peuvent arrêter de boire croisé, il y a qui pour critiquer, mais qui font le travail et qui ont la vie à eux. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir à la priorité aux dames, hein, puisque, en cas, on sait qu'il faut nous aller en sens là, ça. Nous allons recevoir une madame chanteuse, hein, Valérie Rosier, dit Caprès, hein, c'est non, alias Caprès, c'est nom d'artiste. On va saluer tout de suite. Qui nous veut, Valérie? Bien, et puis on va profiter justement des opportunités. Moi, Perret, merci d'inviter moi justement en tant qu'artiste. Voilà. Ah, mais c'est Wall et c'est de voir en nous. Et l'émission, ça fait pour autres. Et sans autres, en cas des autres, franchement, pas une émission. Alors, nous ni Valérie et nous ni Malencrume. Alors, Malencrume, bienvenue. Qui nous fait là, Malencrume? Bien. Ah, mais on bien, vaillant. Ah, mais on bien vaillant. Et qui j'en ai trouvé, les autres, qui s'en ont les autres? Mais c'est normal. Ah, ouais. Alors. Alors, ou bien, ou dit qu'il est bien, mais ou dit ça bien aussi qu'il est bien. Oui. Ouais. Alors, nous qui venons avec vous tout à l'heure, nous allons continuer toujours faire un petit tour. Hein, nous allons aller du côté de M. Jude Nonon. Alors, Jude Nonon, qui a dans une dynamique hein, d'entraide aussi, qui a porté manœuvre, qui a essayé de faire les choses avancer et qui a impliqué aussi dans certains projets et qui a expliqué nous ça tout à l'heure. Monsieur Nonon, Jude, qui nous veut là-haut? Eh bien, en. Bien! C'est ça. Ouais, ouais, nous allons suivre les bons exemples. Ouais, avant de dire, ah, bien. Eh bien, bien. Bien. Et voilà. Et surtout, justement, que Dieu, merci pour ça, on s'en dit, parce que Lisa Rodriguez, Odile et toutes ouais. Les autres là, on va faire un gros bisou. Ah, ouais, mais il y aura un bragon ouvert. Alors, et puis, alors, nous sommes aussi, monsieur Patrick Nérini, qui a déjà voulu inviter ni longtemps d'ailleurs qui a été prouvé avant même qu'il ait été fait une manifestation en hommage à Lenlen, puisque c'est l'année Lenlen et ça partait normal que l'année là finit si Lenlen au moins dernier dimanche là nous partait pourtant on gamme pour nous te recevoir et Patrick qui a fait un travail à par rapport à Lenlen. Et en tout cas, dis donc, Lenlen qui c'est un homme qui toujours fréquenter la culture, qui toujours portait manœuvre pour Gokala, pour Tamboula. Et en cas d'émissier Patrick Mérini, bravo, boulot, bravo, parce que là où pas fait, pas monde pas fait, il va dire ou pas fait, là où pas fait, il va dire ce que c'est monsieur qui a fait. Alors moi, Patrick Mérini, bienvenue, bonsoir, qui nouvelle là-haut? Bonsoir, mais bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Et franchement, très honoré vraiment d'être reçu par un beaucoup. Franchement, ça a fait un plaisir parce que vous avez une façon de mettre, de valoriser mon, ça très important. On a pensé que y a déjà dit ça déjà. Oui, mais alors sans vous et sans l'équipe là qui accompagne là, on a pensé que alors justement, et Jocelyn Humbel, alias Lenlen, eh bien le monde est le jeune Guadeloupéen, pas de connaître qui monde ça. Et on a dit merci, on a félicité les autres parce que c'est vraiment une bonne initiative. Et alors, on a attendu des fois, comment c'est monsieur qui a fait ça? On a dit zappé ça. Ok? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous débutez à faire, fait, et c'est ça qui est important. Alors, nous avons commencé avec Patrick, hein, juste avant qu'on retourne et vers Valérie. Alors, Patrick, l'année Lenlen, c'est qui j'en ça fait arriver, qui initiative, qui intéresse vous et qui parle à qui motive les autres pour aller en ce sens-là? C'est-à-dire que, bon, sinon, bien qui est. Selon nous, un fait très important, c'est-à-dire que si on casse Pani Fondation, il est enfoncé dans le sol. Donc, nous avons dit quand même que il y a le monde qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ne savent pas qu'il y a Guy Conquête, qui ne savent pas qu'il y a Lenlen. Et donc, c'est important que nous puissions retourner un peu en arrière, c'est-à-dire le monde qui était là avant moi-même. D'accord? Parce que moi, j'ai besoin d'appuyer moi si yo, j'ai besoin d'appuyer moi si Madame Lenclume, j'ai besoin d'appuyer moi. Bon, c'est vrai que je n'ai non pas le même âge que moi. Bon, et quand je vous fais plus jeune que moi. Mais je dis que. C'est important. Est-ce qu'on peut comprendre à qui point c'est important? C'est-à-dire que. Si par exemple, moi, on peut appuyer moi si les anciens, à partir de là, on peut représenter, on peut plus fort. Pour les jeunes, peut appuyer aussi moins.
et Anjani petits-enfants. Donc, ce qui veut dire que c'est important, c'est fondamental. Donc, il fallait que nous te revienne en arrière. Alors, l'élan, il commençait à un moment donné et il commençait à côté, et il commençait à la Briscante. Et ça t'a dit que Mme Adine va y chanceler. Ouais. Alors, en quelle appelée quand même que l'élan, en fait, eh bien, c'est un Guadeloupéen qui fête le 26 octobre 54 à Bastère, hein, et qui vécu à la Désigade depuis tout petit, mm-hmm. et parce que c'est la maman qui était à vivre aussi. Alors, si c'est possible, si vous pouvez déjà expliquer nous l'épopée là, ça, parce que c'est tellement habitué à Disney, on a dit que tout le monde a dit officiellement, non, pas au courant, parce que là, on parle de l'élan, on ne peut pas parler de vélo, on ne peut pas parler de Madeleine, on ne peut pas parler d'un pont. Et de Jean Benito. Jean Benito, alias, oui, Jean Benito était notre sous-nom en Bébé-Espinois, parce qu'il est monté au fil là-haut. Et c'est un grand sportif, et c'est un musicien qui était extrêmement doué et qui a joué vraiment, vraiment, vraiment bien. Et lié à l'élan, c'était un challenge presque, à savoir que Yoteka travaillait ensemble, ils ont joué souvent ensemble. Et là, on voit ces deux mounas à te joindre à nos coups de tambour. Eh bien, qui ou qu'a passé au pressé, quoi, ils font commission à droite, à gauche, faut être du bout. Ou coûter sa capacité, parce que ça c'est une réalité. Parce que moi, je connais Jean Benito. Encore après, moi, il faut des noms en magasin, la petite carrière brisinique. Jean Benito était bien acheté un bien brisinique. Là, il était si vélo, il était si découssaille. Il était dit, moi, il était quand même pillé vélo. Il disait, pour pas madame, pas manier bicyclette. Ok, à part ça, pourquoi il dit ça? Il dit, mais lui, quelle bicyclette là, maman? Et il dit, mais quelle celle-là, guidon là? Et à Ken Selenguidon là, il est rentré, il a acheté, il est sorti et bon, parce qu'il est parti. Parce que c'était peut-être une idée de disparition aussi, mais c'était un sportif qui était aussi très valeureux. Et nous qui peut-être parler d'elle aussi. C'est pour ça qu'on a dit que. À Benito Espinal. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit que l'invité là, faut qu'il revienne dans tout le genre. Ah, merci. Non, faut qu'il revienne, puisque nous avons l'hôpital dit. Et avec témoignage à Mme Clume, et à M. Nonon. D'autant plus, nous avons Capresse qui est avec nous là, et nous avons écouté des tibitains avec. Alors, on va essayer à l'essentiel, d'une façon précise et concise, et à proposer de passer la parole à Mme Clume, qui probablement, qui est évoqué à Ondi. Je veux dire que Mme Clume qui a parlé de Mme Adeline, parce que bon, il est plutôt en contact avec la Briscante. Oui, mais dans l'élé, j'étais à la Briscante aussi. Alors, Mme Clume, et là, il y a l'élé, qu'est-ce qu'il a fait au songer? L'élé, pour moi, c'est un crédit, ça loin, parce que on était jeune. Dans l'époque, quand c'était la Briscante, on était jeune, tout le monde. Donc, franchement, l'élan n'a pas qu'à changer. On a changé plutôt vélo, dollar, c'est ça non, Conquête. Conquête, Guy Conquête, Boug Goyave là, non encore. Carnot. Carnot, ah ouais, c'est Mounassa. Ouais. Ça, c'est Mounassa, on a changé ou bien. Puis, de épop, en fait, vous, ou partez de l'épopée à Désirade, ou pas des grandes informations, ça non plus. Non. Désirade, c'est 73. Hein. 73, voilà. On a déjà quitté Guadeloupe. On a déjà quitté Guadeloupe. Alors, mais quand ça a parlé de culture guadeloupéenne, de Goka, quand ça a inspiré vous? Déjà, pour moi, Goka, c'est tout bitain. L'entendre Goka, l'encaille la pointe, c'est la place que nous avons, le piéton. Déposer ça, là, moi, dedans, en plein arrière là. Ouais. La rue Fredo, c'est même bitain là. Depuis en rentrée, la rue Fredo, on mettait ça, là, en bas, bois. Moi, on ne voyait pas. Donc, ça en sent moins. Ça sent. L'entend en France, ça entend dans le groupe folklorique. Un peu en Timosène. Qui n'a pas là, ça, c'était qui wow. Pas changé. Bon, c'est pas grave. Mais il y en a en Guadeloupe, par contre. Oui. Mais c'est pour ça qu'il y a la parole, pour lui dire un peu que j'ai tout ça, il y a dit. Ouais. De manière pour que nous. Voilà. L'entend en France, en théâtre de langue folklorique, en plus, franchement, en fait, pour Emma Sissa, avec tout problème familial en tennis, l'antica répétition à 25 km, antica oublié. En tout cas, il va qui est tout le bitain. Oui. Goka, là, c'est qui aime moi, d'ailleurs, enfant pour Emma Si. Goka, c'est qui met en moi. Goka, songez pour Emma là.
On n'a pas ni tout à fait en tête. Parce que là, c'est mes prochains coups, oui, n'a pas de poteille. Ah oui, c'est ça. Et donc, groupe là, on crée ici, là, c'était quoi, en fait? C'était les tropiques. Oui. L'arrivée Guadeloupe, déjà, en 88, on a eu du mal à comment on appelle là, À adapter. En Diawa, en périté comme ça, parce qu'on est parti en vie, reparti en France, en Diawa. 88, 89, 90, en Diawa. En fondant un groupe chlorique, avec un petit monde de 3 ans à 14 ans. En tout cas, il était petit bout à l'époque. Il mettait bâton en haut, moi, mais il mettait bâton en haut. Et est-ce qu'un groupe là, ça a fonctionné toujours? Non, m'a arrêté. Non. Vous arrêtez? M'a arrêté. Et pas tenu que... élève, en fait? Non, parce que l'ANTV, non, l'ANTV refait goûter en arrêté Goyave. À l'époque, on tenait batteur. Mais après, batteur, t'es commandé ou l'argent. Ouais. Là aussi, groupe à but non lucratif. Oui, oui, oui. Association qui va ni rentrer d'argent. Voilà. C'est pas possible. Donc, quand il s'est tombé. Et à un moment là, ça a parti dans l'esprit à autres de faire des demandes de subvention au niveau des municipalités. En fait, demande de subvention, ça qui est trop long à raconter. Ah, ouais, d'accord. Bon, alors, on peut rentrer dans les détails. Ouais, c'est mon âge qui a fait ça, il y a voulu. Ouais. Il y a eu un peu. Voilà. Bon, justement. Il faut arrêter ça. C'est ça tombé de côté là, ça. Il faut arrêter ça. On te dit pour un baba vers Saint-Méo là. Ouais, bon, nous payons pas les idées. Et nous payons non, mais non. Non. Alors, nous t'en gardons. Alors, vous voulez venir avec, monsieur, non. Ni un trophée que vous faites confectionner. Et il y avait évidemment aussi un t-shirt là. Si vous pouvez montrer nous ça. Voilà. Alors, quelle explication va bon aussi ça? Qui j'ai l'idée là, ça? Arrivé à maturité. Alors, pour un pédio en premier butin, en fait, au cercle culturel Moulien, à 4 ans, parce que Fontaine accompagnait Serre, moi qui tenais 10 ans, et là, il était sorti Michelet, l'école Michelet, nous sommes Moun Moul, qui a monté. Donc, comme famille, moi, merci à maman, papa. C'était des mondes très, très, très évolués. Donc, forcément, il a exprimé au cercle culturel Moulien. Et Tifi ou parler, c'est Tifi, marcher comme ça tout seul. Donc, moi, en tout cas, accompagné. Et donc, depuis là, en rentrant dans le cercle culturel Moulin, on tenait des rôles à l'âge en moins. Donc, enlevé, en tout cas, danser au cercle culturel Moulin avec la bande à Foxy Mignon, Gina Boel, Joël Noyon. Enfin, les très connus, hein. Voilà, ouais. C'est ça. Et tenu, que j'ai entendu dire Carnot, pas tenu vélo, mais tenu Cibet. Tenu Polo Aléa. Et donc, c'est là nous apprenons à danser. Et tenu même en boucle qui était caché. Tenu Meta Manioc là aussi, Robert Loiseau. Alors, Robert, tu es toujours là. Robert, c'est quand on l'oxygène qui était caché. Ouais. Aller le moule. Voilà. Mais, c'est la Guadeloupe même, pas le moule. Oui, mais comment on parle de le moule? Oui, donc, oui. On a dit que Robert était représenté. Parce qu'en tout cas, moi-même, on l'a été manager à Robert. Aïe. Là, tu es au Conseil Guadeloupe de la jeunesse, tu es responsable audiovisuel et tu es organisé le tour de la Guadeloupe des artistes. Ouais. Et à ce moment-là, tu es manager Robert, Anzala et Matupi. Alors, justement, mais qui est un symbole-là qui l'a là? À part ça, c'est une bévoie. Non, laissez-la, nous avons fait un plan là. Yes, c'est un trophée qui est juste en face à moi. Et si nous pouvons mettre à l'écran, nous pouvons faire ça. Ou alors, si nous pas arriver à mettre à l'écran, tout de suite, nous pouvons voilà. Alors voilà, à gagner sa belle. Alors, encore, il m'a offert au grand maître K, Jocelyn Humbel, alias Lenlen. Alors, c'est, l'idée là, ça vient déjà. Alors, quand vous avez une question là, oui. Non. Envoyez mettre le nom, c'est non. Et donc, qui j'ai l'idée là, ça fait venir de parce que la radio, c'est très original et ça très, très, très fort. Sincèrement, c'est pour honorer le travail en monde. Moi, en pas regarder les affaires bien ou mal, en regarder ça, on va faire. Et on trouvait que Patrick Nerini, qui prend l'odeur de sainteté pour tout le monde, mais le monde qui reconnaît qu'il a fait un travail,
eh bien, justement, il y a honoré Patrick Negini. Et moi, en vrai travail, là, qu'il fait là, le fait de mettre l'in-lin à l'honneur pendant un an, et qu'en partie, peut porter pierre au moins à l'édifice, plus que ça, parce qu'en prie à droite, en prie à gauche, métier en moins X, Y, Z, mm-hmm. Mais toujours mettre en 10 francs, butin, en 10 euros, en butin, toujours faire un manœuvre. Souvent, mais, même, souvent même. Mais l'essentiel, c'était de marquer de façon intelligente, parce que nous sommes des mondes intelligents. Même les pécouillons intelligents en Guadeloupe. Donc, nous pas des mondes couillons. Exactement, merci beaucoup. Donc, c'était de porter pierre au moins à l'édifice à gros œuvre là, ça. Parce que, ça, on comprend, c'est que Patrick, pas te voulait que nous attendions les morts, après pour nous promener, c'est au cahier, il y a toute la Guadeloupe, patati patata, fait cinéma. Donc, avant il mort, nous, Patrick, nous l'a radi, nous. De son vivant, puisque c'est plusieurs mondes voilà. qui mettaient autour de Patrick, dès lors que Patrick portait l'idée là, il dit bon, faut nous faire un butin, eh bien, certains mondes naturellement jouaient le jeu et arrivaient à l'entouraille. Alors, oui. Mais sans développer, oui. Moi, mounna qui fait, qui réalisait si Tamboula ça, c'est nous qui avons besoin, parce que ramasser que, faut féliciter, faut dire que. Travailler propre et belle. Alors, pour dire, on est en manie sincère et fidèle. Et encore organisé du tournoi depuis très très longtemps. Et le 19, on t'avait fait ça le 12-12-21, mais ça n'était pas possible. Donc, on fait le 19. Et le 19, on y voit toujours les mêmes mouns qui ont bon moins de trophées, qui ont point de trophées à Kazayo. Excusez-moi, hein? C'était l'autre trophée guadeloupéen et Olivia. Là, on parlait avec, on a demandé, on dit voilà, on a ça qui est en tête en moi et ça qu'elle nous doit faire pour le monde là, qu'elle nous doit faire là. Il dit mais non, c'est pas ça, ne prends pas ça, ne prends pas ça, on va prendre ça et je te ferai un trophée. Là, on voit déjà produit là et là, on voit ça et bon moi. On dit c'est exactement ça, c'est Olivia de trophée guadeloupéen. Ah d'accord, voilà, mais message là passé. Patrick, nous allons revenir à Véo. Alors, justement, l'année Lin-Lin, nous allons arriver à un bout à Jardin par rapport à l'année Lin-Lin, mais le combat là qui a continué et le soutien là qui a continué par rapport à Lin-Lin, qu'est-ce qu'on retient de l'année là ça? Ce qu'on retient, c'est que déjà, bon, le 10 janvier, nous t'ai fait une manifestation, en fait, en Galette des Rois, sur la place de la Victoire. T'es né au moins une quinzaine de tambouillés. Et puis, on a trouvé ça, ça travaille moins beaucoup. Et l'orgue a dépôt anniversaire, le 26, c'était le 26, en fait, octobre, et nous fait le 30. T'es né pratiquement une quarantaine de tambouillés. On joue, en fait, de tour de la Guadeloupe au moment où il y a le mur de Saint-Claude. Et donc, on dit, mais c'est extraordinaire quand même. Un bouc qui a mâché, comme quoi vous en l'arrivez là tout le temps. Bon, il n'est pas drogué, hein, il n'est pas alcoolique. L'aîné n'est pas ni drogué ni alcoolique. Il est en appartement et l'aîné, à 4h de l'après-midi, il est à Kazaï. Jusqu'au lendemain. L'aîné n'est pas qu'à sortir des rois, ben, le soir, machin. Mais c'est un bouc qui a attendu en bitin. Et qui a venu, il a espéré en bitin. Et donc, si vous voyez l'aîné au mois de janvier et si vous voyez l'aîné jeté là, sorti à Kazaï, il est là. Ce n'est pas du tout même l'un là. Donc, ce qui veut dire que son bouc a recherché l'espoir. Et donc, pour moi, on a vu que son véritablement un bouc qui simple. C'est-à-dire que son bouc qui est un génie et il réalisait en bitin, puisqu'il est inventé, d'après ça, on a compris, d'après ça, l'homme qui a dit moins, d'après ça, Christian Mathurin, etc., qui a dit moins, et puis non, l'homme, en fait, même Michel Allais. L'un a inventé le 8e bribe du Gros-Cas. Et si le peuple veut de apporter véritablement un soutien à l'Ain-Lin, eh bien c'est simple. Pourquoi passer un bureau à l'Ain-Lin? Il y a la rue Frébeau, il y a la rue Nozière tous les jours. Et vous pouvez voir l'Ain-Lin qui a commencé à habiller, vous pouvez commencer à voir l'Ain-Lin qui a fonctionné en d'autres gens, et à partir de là, l'Ain-Lin qui a commencé à jouer tambour. Ça qui est aussi simple, c'est comme le vélo, c'est comme la bicyclette. C'est-à-dire que c'est ça que l'Ain-Lin a besoin qu'on reconnaître, valait à lui et à travailler. Alors, il n'y a qu'à reconnaître travailler, ça c'est clair. Mais il faut nous reconnaître lui aussi. C'est-à-dire qu'il faut nous porter tibouet, amour pour l'aîné. Et c'est ça qu'il a attendu depuis 20 ans. Il a pensé que Bouglard a payé assez. J'ai attendu assez. Donc, 2022, moi, payé là encore.
puisque moi, le 31 décembre, m'a arrêté. Puisque moi, on a toujours engagé moins sur une année pour moi, c'est quand même 12 mois quand même. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, c'est on a essayé de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire bah, chansaï, et en tout cas, tiens après saison vitaine. C'est-à-dire que l'élin, c'est moun qui n'est pas issu des quartiers pauvres. L'élin, c'est un moun qui est issu de la bourgeoisie pointoise. C'est-à-dire, c'est moun à balcon. Et le fait que l'élin était nivoati, bon, il était qu'à travailler à la banque, le fait que l'élin m'est consacré au gros cas, ou qu'a pensé bien à l'époque, et c'est cette époque-là que les jeunes ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas imaginer. Si tu n'es pas là, si Madame L'Enclume n'est pas là, si Monsieur Nonon n'est pas là pour expliquer aux jeunes que ce n'est pas notre faute, nous ne sommes pas coupables. Nous avons subi une situation. Donc à partir de ce moment-là, il faut absolument que Madame Capresse, c'est ça Capresse, oui, c'est ça. Ok, puisse savoir, parce qu'à Capresse, qu'il peut pas imaginer ça se vivre à l'époque avec Roca. Donc ce qui veut dire que à Capresse, justement, un extrait qui a fait 30 secondes dans Capresse. Où tu fais une petite interview avec Hélène. Ah, pas moi, c'est William Gass. William Gass m'a fait, bon. Le carton d'ailleurs, il me presse même, voilà. Hein, juste comprendre que c'est où. Et donc, on va proposer qu'elle nous coûte ça. Juste 30 secondes, avant qu'elle nous aille du côté de la pub, et nous revienne avec Capresse, et nous revienne pour continuer l'émission là, deuxième partie de l'émission là. Est-ce que c'est possible au niveau de la technique? C'est OK. Nous allons garder juste 30 secondes, on va causer. Et moi, qui pas connaître les liens qui vrai qui mon qui les et qui s'y tient parce qu'elle est déjà beaucoup mieux là, ah, beaucoup mieux ah, nous qu'à garder ça donc goûter ça et est-ce que tu étais content de la fête de samedi j'étais assidu est-ce que tu étais content à l'écoute. Comment tu étais à l'écoute j'ai voulu un action au balcon mais il faut des gens dans la foule parmi ce château d'accord. Et comment était la musique, Lélé? J'ai fermé ma radio, j'ai tiens à le dire, et comment est-ce mais voilà, en bien, j'ai 30 secondes, il partait plus longue, interview là, mais probablement nous qu'on y arrivait et écouter peut-être notre interview, puisque comme Patrick, ou souvent après Lélé, on a pensé qu'il faut prendre un petit temps pour faire une interview, c'est plus longue, puis. Mais il même parlé de Timodeye, parce que. Non, mais il a expliqué pourquoi il n'est pas venu à l'anniversaire. Oui. C'est pour ça qu'on nous fait une nouvelle portée. Voilà. Mais il dit qu'il est assidu. Et assidu. Et il est à l'écoute. Le mot assidu est à l'écoute. Oui. Non, mais. C'est la preuve d'un bouc équilibré. Non, mais. Il était une radio, il mettait à l'écoute. Voilà, il mettait à l'écoute. Non, et mais... dis-nous le nom de pratiquement toutes ces tambouillées là après. À combien Gaël a bougaillé, Gaël a habité à fête, il a bon à toutes ces bougas parce qu'il connaît Frappayo chaque. Il connaît Frappayo. Lélin. Et il a dit qu'il y a une Frappassé par celui-là. Nous n'avons pas du côté de la pub, puisque Lélin arrive effectivement, j'ai avancé une des fois. Et nous quand même tout de suite avec. Après, expliquez-nous un peu par Okouaï et nous profitez pour garder notre extrait aussi à ce qu'il a fait musicalement. A tout de suite. Alors voilà, et je dois vous porter une petite précision. Hein. Et, mais je dirais bercé par la musique dès son plus jeune âge, par son grand-père, hein, qui était un mélomane. Complètement. Voilà. Ah, il s'agit là de qui en fait? Mais il s'agit de Capresse. Eh bien voilà. Capresse, alors, tu as commencé en fait la musique très jeune. Et quels sont les souvenirs qui t'ont animé peut-être durant tout ce parcours? Peut-être deux ou trois, pas plus, parce que nous allons écouter ce que tu me disais. Nous allons voir ça tout à l'heure. Voilà. Ben, Panke dit que plus bel souvenir en Nice, c'est ta grand-père en moi. Ouais. Monsieur Rémi Rosier, depuis tout petit, hein, en cas songer, il était quand même les deux pieds à il était cas pour nous danser. Et pendant nous t'es qu'à danser, ben t'es qu'à chanter avec moi. Et maman moi a dansé, a dans même la rela là. Mais en que m'en de quand même, tant pis souple, permette-moi de saluer travail à ces mouna qui avaient moi là aujourd'hui là, puisque c'est très important travail là, yoka fait là. Et en qui juste profiter aussi, moi saluer M. Jacques Métran, qui c'est Boubmoule et qui adore même la rel qui yo, et qui sans cesse qu'a dit moi, faut connaître l'histoire. Et j'en dis jour, en cas on rend moins compte qu'il n'y a pas de connaître qui M. Lénin,
Et c'est avec on l'a émotion en fait en quand on parler de ça il fait. Et ça a interpellé moi parce que en cas dit ben faut mettre moi à la page quoi, faut apprendre histoire à peu pas moi. Alors félicitations pour Tiwa Mark là qu'on a fait là, puisqu'en réalité et en carré dit ça but à émission là ça justement c'est de transmettre un certain nombre de messages aussi permettre nous rencontrer yo mais permettre nous découvrir nous-mêmes parce que si nous pas fait travail là que nous doit faire là à pas prendre d'autres monde qui vient faire avec nous donc faut nous comprendre que c'est une des notions de valeur qui c'est ensemble nous qui arriver ensemble nous qui avancer mais c'est des notions aussi de solidarité qui est important c'est-à-dire moi en cas dit mais m'apprendre à un moment donné que tu non encore le ministère caractère encore tient moi simplement pourquoi parce que c'est là qui était avant là il y a pas l'un des Jean-Baptiste c'est pour dire jouer bon cadre ben Jean-Baptiste calé était prendre l'accordéon après-midi on samedi après-midi devant et Ticaze Criolai ben il a commencé ouvert fermer l'accordéon là au travers mon gars aussi toute part tout les gars descendent venir danser. D'accord. Donc, en partie qu'on est en cas songer Jean-Bas vaguement, mais si on partait parlant de Jean-Bas, d'ébé parler de Jean-Bas, d'accord. Et c'est là qu'en cas dit témoignage, la réelle est là ça. Faut nous arriver à passer, faut nous arriver à transcender justement les générations. Et pour ça, en cas dit Oulo bravo encore Patrick Nérini et l'équipe là qui entoure là. Par contre, en tout cas dit que fait ou commencer musique très jeune, et vous faites ces parenthèses là ça et que ça fait un plaisir. Parce que ça belle aussi puisque du coup grand-père en moins, monsieur Rémi Rosier, Piti, c'était la musique, c'était la danse, mais à côté à ça aussi, lui aussi était dans l'arrêt là ça apprendre vous la vie en fait. Et c'est un groupe qui au-delà de la musique, de ça y transmettre au niveau de la danse également. À côté, à ça, il était capable de ce que c'est que les plantes. Il était capable mener en jardin à veille. En tennis animaux, moi aussi, on était capable de lever petit poule, cabri, cochon, en tout cas, il était bitain, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il toujours met moi dans une dimension où, ok, ni amusement là, et puis, faut travailler la terre, faut voilà. Il bon, l'eau valait, et faut double. Et si je dis jouer en sang, ben c'est grâce à lui et puis maman moins glace. Aussi, bien sûr. Et nous avons une grande force pour maman. Voilà. Et nous ne pas oublier. Par contre, il faut nous aussi dire que ce n'est pas normal les gens qui viennent dire nous que vrai sapin là qui est yo. Les gens qui viennent dire nous que Kokla a chanté. Faut nous accepter de dire que ce n'est pas normal puisque nous mettons c'est l'habitude dans nous. Et donc, il faut apprendre à respecter ça. Les gens qui sont venus un pays là, ils sont les bienvenus. Nous toujours sommes un peuple très accueillant, mais nous pas dit qu'il y a ni des limites. Et nous, jusqu'à présent, pas gagné de moyens, pas mon tuyau cochon. C'était période à Noël. À l'époque, on était tué cochon, on était qu'à manger cochon. C'est pareil, en famille, il n'y a pas de même grave en ligne. C'est ça. Actuellement, il y a dit ou pas, problème sanitaire et tout. Je veux bien comprendre. Pénit tout ça. Mais en cas quoi, il faut quand même porter plus respect au peuple à un moment donné par rapport à ça qui a fait. Alors, Valérie Osier, alias Capres. Déjà, pourquoi Capres? Ben, ça vient moins dit grand-père en moins, justement. Le cas pour faire honneur au cas. Aïe, aïe, aïe. Voilà, l'instrument. Et presse. Et puis presse, parce qu'il était qu'à dire qu'entre négresse là et chabine là, donc Capres. Ouais, alors, en fait, est-ce qu'on peut danser aussi? On peut danser aussi. On peut danser, Goka. Ben, grand-père, moi, initié moi à la fois au Goka, Kadri, merengue, salsa. Oka, enfin, on peut toucher un petit peu à tout. Caraïbéenne accompli. Donc, quoi danser Kadri là aussi? On peut danser Kadri. Ah, monsieur. Ah, ben, la Kadri, ça a commencé à revenir à Kadri, bonjour, monsieur. Depuis la pandémie, là, effectivement, sans gens tomber en qui disent en sommeil. Mais je pense que ça faut ça qui revient aussi. Alors, nous allons écouter un clip à c'est plutôt un clip à M. Mozart Flainville. Oui, mais c'est vous qui a chanté. C'est moi qui a interprété. C'est vous qui a interprété. Ah, nous allons voir une force aussi pour lui. Ouais. Et en fait, nous avons sur ça, c'est. Ben, tu me disais. Ma pauvre j'ai dit oui, nous avons écouté. Nous avons écouté et nous avons venu tout de suite avec Capres, okay. Tout de suite.
moitié. Je t'ai donné toute ma vie, bébé, je t'aimais. Tu m'as fait rêver, m'as donné l'envie. Aujourd'hui, tu t'es décidé de me laisser seule. Dans mes malheurs, je suis malheureuse. Je pense à toi, je suis seule sans toi. Dans mes malheurs, je suis malheureuse. Je pense à toi, je suis seule sans toi. Chérie, j'ai cru que notre amour serait éternel. Pourquoi l'amour est si cruel et compliqué? Je suis malade, j'ai consulté, je n'ai trouvé aucune guérison. Tu es le seul. Je demande à notre créateur pourquoi l'amour est si cruel et compliqué. Je suis malade, j'ai consulté, je n'ai trouvé aucune guérison. Tu es le seul. Ma raison de vivre. Eh bien voilà, le titre. Alors moi, je retiens une très belle interprétation, un beau timbre et une grande sensibilité. Alors, je ne sais pas si tu es aussi sensible, en passant sous sensible comme ça dans la vie, mais à l'interprétation, à la Sarah Tanlala, timbre là, la sensibilité, la sortie en vente, à monter à la surface. Et qui m'a écrit ces paroles-là, ça, en fait? Monsieur Mozart Flainville. Ah, d'accord. Donc, c'est qui vous souhaitez et il cherchait, on interprète. Ben, ça doit être ça, hein, puisque... Est-ce qu'il n'y a pas gardé ou avant été écrit, Mozart Flainville? Ah, pas Jack, ouais, non. C'est vrai? Même pas, puisqu'en fait, ça qui fait, c'est que Tenny, en cas salué d'ailleurs Angèle, anti-copine, qui conseille, inscrit-moi dans le concours. Et c'est à l'issue de concours-là, ça, que monsieur Mozart Flainville repérait moi et dit, moi, ben voilà... J'ai des morceaux qui te correspondent. Ah ben voilà, et voilà. Bien vu parce que ces textes-là, Katouveyo, très bien faites, avec des petites modulations mélodiques qui rentrent dans les affaires bien et qui ont interprété parfaitement. Merci. Félicitations. Alors, nous arrivons tout de suite avec juste l'enclume. Oui. Tu voulais juste dire un petit mot concernant. Concernant Madeleine, oui. Qui était grand madame investie dans la culture. En grand madame. Surtout du Goka. Voilà, non seulement le Goka, dans les années entre 18 ans à peu près, était en établissement à l'assainissement. Là, connaître Madeleine, c'est parce qu'on était en établissement là, à l'école. Ah ouais. Et il était venu demander, nous, qui veut danser Goka. Mais avant, Antécarité Bastet. Antécarité Bastet. Et l'Antécarité au monastère, c'était la répétition de Mon Minos, on va dire ça. Ah, ouais. Les Balisiers. À Balisiers à l'époque. Mm-hmm. Alors, Antécarité en cachette, écoutez Goka. Ouais. Ça va, avant, Antécarité dit c'est Bita Vinègue, on ne va pas danser ça. Mm-hmm. Alors, en tout cas, j'ai essayé de le soir exprès. Tu as mis sur la côté. Et puis, en tout cas, écoutez Goka. Vous croyez écouter Goka? Oui. En tout cas, j'ai dit bim en deux mots. Boum. Entrez, c'est pas grave. Je suis fini. Bon, d'accord. Et finalement, madame Lamont qui est levée, moi là, dans les années, en tenue un certain âge, de 7 ans, il montait la pointe. Donc, il mettait moi à l'école à l'assainissement. Mais pas tes bêtes savent que c'était Madeleine, la principale de l'établissement.
Et quand on était à l'école, il était qu'à venir garder qui j'en s'atteignait. Il n'y a pas de professeur. Hein. L'école là, c'était pour apprendre le truc de ménage, apprentissage de tout, cuisine, comment mettre couvert, tout le bitin comme ça. Et voilà. Et la couture aussi, tout le bitin comme ça. Et puis, il vient, qui est-ce qui veut danser Goka? Allez, vite, il doit être à moi. Il dit, moi, madame. Alors là, il était content. Et au début, moi, il répétait, il était venu chercher moi à l'école. En établissement, tu as dit, moi, jeune fille, pas qu'à machin la rue. Tu as voulu chercher un taxi, chercher moi. Et si tu es tout le temps, tu as dit, moi, faut arrêter de dormir demain matin, taxi là, mais n'est-ce pas à l'école là. Et on va trouver taxi là, c'est M. Galvani. Ah, peut-être. On va trouver taxi là, ouais. Et on était des années comme ça à l'école. Et puis après, nous, pour passer, madame là, ça, on dit merci, parce que c'est pas mes cartes d'identité, moi, c'est qui au fait, moi. Parce que mes adoptifs, on m'avait tant de monde à danser, Goka. Il y a m'a dit, qui veut, qui veut pas, qui a un groupe, qui a un Martinique avec moi. On a dit, payez moi carte d'identité, moi, habillez-moi, tout le bitin. De toute manière, pour le voyage, tout le monde tenait uniforme. Mes enfants, on était habillés, tout le monde tenait uniforme. Baline, même bitin, haut, même bitin, haut, madras, jupe, piqué blanc. Tout le monde est bitin. Et nous prenons avion, parce que quand je change une anecdote, nous prenons avion, on était dans ces théâtre en Martinique, théâtre de chez soi, on bitin comme ça, en Fort-de-France même. Et là, nous bien dansé. C'était avec grand comique là, à Saint-Dor. Maurice Saint-Dor. T'es dansé, c'était là aussi. Et puis nous t'es bien dansé, tout le était fait bien. Dit bon, allez, sois bien dansé. En camion, nous autres dansé en côté en bas. Mais souvent, on voit mon coller. Pas de coller. Pas de coller. Donc, il était capable de garder chaque fois que j'ai monté à danser. Là, il était capable de coller. Pas de coller. Ouais. Là, bon. De ce côté-là, il était sérieux. Hein? Madame Adeline. Alors là, c'était Madeline. Ah, bon, oui. Ça, c'est une petite anecdote qu'elle nous développait. Ah, oui, voilà, exactement. Et c'est important parce qu'elle alors, en cas proposé, qu'elle nous ait découvert justement une anecdote aussi de Patrick Montout, mais qui a concerné Lenlen. Ah, ouais. En cas, c'est au niveau technique là, que ça a déjà OK. Nous avons écouté l'anecdote à M. Patrick Montout, qui a parlé de Lenlen, qui a expliqué comment dire. Oui, et nous allons revenir tout de suite parce que nous avons un deuxième extrait fait avec Capres. C'est parti. Bonjour Patrick, Montout. Oui. Alors, donc, où c'est Zami Alélé? À part Zami Alélé, c'est professeur. Oui. Parce que si Lélé, on voit en tenue 16 ans, là, on sortit l'école et mon la loge. Là, t'as pour t'as sorti Désirat en tenue 16 ans. Et c'est où on est regardé, donc c'est vélo. C'est professeur, moi. Wow. Voilà. Wow. Ça, ça n'est pas niveau, mais ce professeur, on peut dire, c'est maître, moi. Si on voit tout ça, mon café, pied à eux et main à eux, c'est les lents de Kagadé. Et après, on travaille pour moi-même. Donc, c'est respect pour les lents. Respect pour les lents. Monsieur. Et en ça, vous voyagez pas mal avec les conquêtes aussi. En pas fond, nous voyager, c'est avec les grands frères. Parce que moi, on était parmi les grands frères. Sinon, on n'était pas joué au tambour. La famille, on n'était pas accepté ça. Moi, j'ai joué les lents quand déjà rebelle, moi. C'est... Ah ouais, parce qu'on n'a pas ni droit. Donc, on a parlé de l'année, on s'en prend quatre. Mais moi, ça m'a monté du bon, ça a dormi à son banc en Allemagne. Ça s'en battait là, moi. On battait là. Parce que moi, c'est après l'année. Après Benito, quoi. Après l'année, Benito, Adi. Ouais. Donc, on t'a foutu tout ça. Hein. Tu sais, pour loger, c'est en fait. Donc, la course, c'est le bonheur. T'as pour ta sortie, mon et des Iran, c'est mon alloge. Tous les éléments, t'es là. C'est la masse à Saint-Gentil. Là, oui, c'est ça. On peut pas paraître connaître où là, on sortit. Qui moun qui parle. Sans qu'à jouer ta couta, c'est grâce à l'aîné. Mesdames et messieurs, donc c'est l'Orizo. C'est Sting Blending. On ne peut pas parler de Sting Blending au matin là. On est au Laouye. C'est la reconnaissance qui permet de vous connaître au Laouye. Et Kaïta. Après ça se passe. T'as qu'à doubler qu'à parler de Sting Blending. Après ça se travaille. On voit que Christian l'aïe apprendre. Christian vient de mon alloge. Christian, Mathurin, t'as qu'à doubler. À mon alloge, on voit un sein l'école normale. C'est là que ta couta te fait rester tout seul parce que t'es habitué à rester tout seul, de vivre ensemble. Et là, je viens ici, c'est mon alloge, je trouvais. L'ancienne école normale. Mais il me semble que tu n'as pas été tellement d'accord avec Takuta en Guadeloupe. Là, ouais, là, c'est mon ami qui chasse Takuta, frère. C'est mon ami qui chasse qui fait 10 manœuvres, je joue de la bouste à côté. Et
et sauver là et ni ancien école normale là t'es ni service c'est non espace pour le travail donc il était pas resté là il y en était pas pour l'autre puis quand il était des irades et ça passait qu'appeler madame à Jojo de la Bousse c'était à côté la famille de la Bousse c'était pianiste donc il a fait pour la police chasser donc ça dispersait yo à 10 soirs ou à maman et là donc c'est ça qu'on a pensé qui dissout de Taputa et à l'époque donc il était joué tout partout hein il y a venu d'un côté jouer son et après partir jouer un autre côté mais est-ce qu'en fait c'est plus un premier en fait qui joue à la rue. Non, notre vélo était déjà là. Vélo passait par là. Vélo passait par la rue là. On va penser que c'est les premiers. Mm-hmm. Non, non, on va penser que c'est les premiers. Mm-hmm. Et derrière Takuta, c'est empêché en gala à Boca do Douriz, fête au rôle des sports. Pourquoi? Oui, à Négota, ça, effectivement, l'envoi vrai. Moun komanse te ka, afe moun te ka pati ou Hall des Sports pou te a y gade gala la sa, ben yo met yo ka jouwe douvan Hall des Sports la ou a kote, e finalman tout moun ite an Hall la sorti, vin gade yo jouwe. Fote yo ki yo pa desi rentre. E pi voilà, oui, bon, tout sa ti adan, paske, ben sa se ankor des istwa ou des anekdote ke nou ke an jan evoke. Alors, juste avant nou ave kapres concernant on est extrait un deuxième titre là et qui m'a notre explication Patrick. Oui. Jodla là concrètement d'une façon précise qu'on sait concrètement qu'a qui fait concernant les lèvres. Ben c'est-à-dire que si le peuple voulait ben nous un coup de main parce que nous mandait un euro. Oh là il va jouer nous. Voilà. Oh là il jouer nous. Nous mandait un euro pour les lèvres en fait. Oui. Bon c'est pas 2 euros ni 3 euros c'est 1 euro peut-être 1 euro par mois ça fait 12 euros par an. Et t'in 3 points de collecte. Nous ne veut pas forcément plus qu'un euro. D'accord. Parce que chaque euro, c'est en moun. Et donc, voilà, donc 12 euros par an. Et donc, ni 3 points de collecte, ou t'in ni. Bon, parce que ça, c'est quoi, à peu près, la rue d'Henry, la rue des sœurs. Essayez d'expliquer. Voilà. C'était le spectacle-là, pour vous bien comprendre. La rue de l'école des sœurs. En dehors de la rue-là, est-ce qu'il y a une adresse mail, un numéro de téléphone, un butin que des gens peuvent crier, oui. Vous dire, mais voilà, il y a quatre apporter contribution à eux. Alors, 06 90 92 03 48. 92 03 48. Mais moi, pas manier l'agent. C'est ces caisses-là, c'est à dire qu'on n'a pas mis en caisse-là. Et sinon, mon qui a ramassé caisse-là, c'est qui nique là. Moi, pas nique la caisse. Eh non, mais il y a pas mal de sous. Ah, bah, t'es blé. Mais pas blé. Non, mais pas blé. Chaque monde a fait ça. Non, pas de problème. Yo peut contacter un responsable au 92 03 48. Est-ce qu'il y a une adresse mail, peut-être? Oui, ben c'est Mian Bisti, si vous voulez. Peut-être nous mettez peut-être à l'écran, peut-être à l'heure, si vous voulez. Ah non, mais Mian Bisti. Bon, c'est MIA. Alors, c'est un peu compliqué ça à la télévision. C'est adresse mail là. Voilà. Ok, c'est un peu compliqué à la télévision. C'est dommage parce qu'il y a écrit en lettres sous ces bulletins là. C'est M I A H A W M I S T I S. Répétez quand même. D'accord. Oui. Ok. M I H A W-M-I-S-T-I-S. Alors, ça qu'on a proposé, et si... @gmail.com. Et si vous d'accord, non, mais ça longue. On a proposé ça, c'est mon nom, qui voulait porter une contribution à l'année. Ni adresse mail à émission là. Maccanal 97.1 @gmail.com y affiché. Voilà. Donc, à voyer, si vous avez besoin de contact, donc à voyer un message là, et à qu'être transféré tous ces messages là à l'autre adresse mail là comme ça ça qui permet que tout le monde eh bien qui marche. Alors c'est son opération de 1 euro à 2 mois. Voilà. Comme on peut payer 1 euro. Voilà. Et comme il peut payer 12 euros, c'est-à-dire que ça fait un an. Si, ouais, voilà. Ou qu'il peut payer 10 euros aussi, il peut payer 5 euros aussi. Ça, il peut. Chaque monde qui fait ça, il peut faire, dit Patrick Saint-Éloi. Oui, c'est sûr. Donc, ni 3 points de collecte. Oui. Bon, l'ancienne boutique RCI qui est à présent la boutique FM, d'accord, qui a trouvé la rue Lamartine après Tapit, côté Jimmy. Ou Tini, le pressing République. C'est la rue de la République, il cabaye ce kiosque là en fait. Toujours après Tapit. Hein? Voilà, pour Patrick Cherdieu, il cabaye sur le kiosque en fait de la place de la Victoire, hein, la rue de la République, le pressing, d'accord, le pressing République, Patrick Cherdieu. Et sinon, Outini, la boutique Oxygène, c'est Nicole Palatin. Nicole Palatin, donc il a trouvé la rue à l'église en fait. Bon, l'école des sœurs en fait, la rue d'Henry. Derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, voilà. Donc la boutique.
boutique, son boutique a fait naturopathie, bio, etc. Mm-hmm. Donc voilà, donc il y a une caisse là. Voilà. Alors, c'est là, mon cas sonné, par contre, il faut sonner pour Iton. C'est mon acabayo. Il y aura passé mon nom reçu, constatant, il y a maintenant. Ben, si vous voulez, parce que tu n'as qu'à y aller. D'accord. N'y a qu'à y aller, puis de toute façon, mon acabayo. Qu'il y aura signé, peut-être, on bute, qu'il y ait une trace quand même. Oui, il y a une trace aussi, pas de problème. Ok, alors ça, c'est super important. Nous, quand on vient avec Capres, Capres nous a découvert un texte, que nous n'avons pas l'autre encore, nous presque avons un bout de jardin indien, mais déjà, c'est là que nous avons découvert. Alors, nous avons des clips que nous avons sélectionnés. Vous avez un éclair, ben ensuite là. Con diamant. Voilà, qui est-ce qu'on a choisi de faire public ou découvert? Ben, nous avons pas côté diamant là. Pas côté diamant là. Alors, au niveau de la technique, on sait que ça déjà ok. C'est bon, nous allons découvrir tout de suite, nous allons écouter notre extrait et nous allons finir avec un petit tour de table. Okay. C'est parti. Les femmes aiment les éclairs, mais elles préfèrent les éclairs. Te promettre un texte aussi à titre là ça. Alors, Capres, en dehors de... Bon, l'émission a coûté, c'est vrai. Oui. Nous n'avons pas le temps de parler de pas mal débutés, mais qui est actualité? Qui a fait ce jour-là ça? Déjà, l'année là, qu'a fait, est-ce qu'on a produit un côté? Est-ce qu'il y a un habité qui est prévu? Alors, en cas produit, en temps normal, avait un orchestre Beauvel Vibration du Moule. Donc, en cas saluer manager là, monsieur Dominique Rinan. Et sinon, récemment, ni monsieur Jean-Claude Nelson également, qui fait appel à moi, avec groupe Soleil Annuel. Et puis, pour terminer, ben, à partir de janvier 2022, en cas intégré en groupe, il y aura créé Onyx, sinon super section cuivre, avec monsieur Malachoumi Nazer, plus communément connu sous Tati. Voilà. Et puis sinon, on y a un album en attente, hein, mais avec l'histoire Covid là, bon ben, pour payer travail ici, puisque producteur là en métropole, mais c'est Landry Le Sieur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, alors, quand tu parles là, il n'y a ni bon vent dans l'air. Voilà, ni bon vent dans l'air. Ni bon butin qui est arrivé. Et donc. Et en tes jours, on lui dit qu'il y a de chaque grand homme, ni en madame, mais moi derrière, moi, ni Tissa, moi, Leslie, grand-mère, en moi, Yomine, qui a salué. Et puis, en tes envies passer en coucou aussi, bah, c'est Mouna qui a travaillé en permanence avec moi. Là, par exemple, René, couturière en moi. Et puis, Livia pour les accessoires. Ah, mais René, qui peut bien dire aujourd'hui de la radio. Voilà. Oh là là. Et puis, Coco Perle aussi. Oui. Tout ce qui est coiffe. En TV, saluer parce qu'il y a au quotidien avec moi. Ah, ouais, non, mais c'est clair. Hein. Mais là, féliciter vous. C'est un radio. Continuez de travailler. Continuez justement à occuper les zones de Capres parce que c'est une voie à suivre. Et ça hyper important parce qu'ils ont un timbre, ils ont sensibilité. Nous, on a dit, et on savait que plus ça qui est allé, eh bien, c'est plus qu'il y a des résultats. Et à respecter, on a bonne chance, on bon parcours. Merci. Monsieur. Non. Monsieur Jude, non. On juste un petit salut pour peut-être Yon Demon, puisque nous avons un boutage à l'Étienne là. Et mission a fini là. On a dit la Guadeloupe. Oui. Merci d'être la Guadeloupe. Et c'est toujours continuer porter grain de sable en moins pour nous voir qu'il y a un bel pile de sable
pour demain, ils ont pas dit nous, on vous donne l'autonomie. On a fini de parler avec vous. Au revoir tout le monde. Alors c'est bien. alors, Manaclume, juste un petit mot, puisqu'il est arrivé. Mais on va dire d'abord merci. Et merci à Patrice aussi, parce que c'est dépassé en Patrick que connaissez-vous. Mais pas de problème. Est-ce qu'on va vous dire bonjour pour un bonheur? Ben, tout le monde qui connaît, moi qui reconnaît, moi. Ah ben voilà. Les enfants. On parle voilà, voilà. Alors Patrick, nous venons de la jardin. C'est-à-dire que, écoutez Ben Bricho, écoutez la Guadeloupe malade, et écoutez Kimoun Maokeola, c'est-à-dire leader-là, c'est-à-dire Bouga qui est tambour, bitin-là, la Maokeola. Maokeola, ouais. Maokeola, à pas vélo, c'est l'aîné. Oui, oui. Voilà, c'est celle bitin qui en pédit. Mais un petit mot peut-être, ah ben, voyons force pour l'aîné. Voilà, et... quand voyons force pour l'aîné, quand voyons force pour Gilbert Coco, qui est avec nous, Dominique Panol, en fait, bon, comment dirais-je, Patrick, la famille Jean-Marie, qui a été amenée par le fils de. Tout à fait. D'Alain Jean-Marie, d'ailleurs, Alain Tétis, la famille Adeline, Lydie Adeline, Loulou Adeline, etc. Il y a la fille de Madame Adeline aussi qui s'appelle Aimé Adeline aussi. Ouais. Okay? Donc voilà, donc on a vraiment vécu quelque chose. L'association Adeline, okay? Voilà. Les sœurs Cadenet, Madame Bellerin. Non, on a vraiment passé quelque chose, franchement, avec Dominique Théophile. Dominique. Ouais. Ronnie Théophile. Franchement, il nous a fait un tableau. Il y a une présentation. Ça, tout ça a bien fait. Ça a été vraiment magnifique, extraordinaire. Alors, excusez-moi si je dis des gens. Non, mais. Je comprends. Christine. Voilà. Oui, nous vivons Sandra. Nous vivons en boutage à Étienne. Merci, Patrick. Merci de la présence à Zot. Sandra Louisiane. En cas de souhaiter Zot une bonne fin d'année. En cas de souhaiter aussi à la population, là, les téléspectateurs. Continuez à regarder nous, Canal 10, puisque nous aimons Zot et Zot, nous savons qu'elles ont aimé nous. Donc, en cas de très très bonne fin d'année, bonne année nouvelle, puisque nous retrouvons ma canal l'année prochaine, donc c'est qu'en 2022. Et encore après les autres jours là, la réalisation, ben, c'était Yann, c'est ça, c'est l'équipe qui gagne. Bon, à très bientôt, à l'année prochaine, et bonne année à tous. Merci. Bonne année! Yeah. Yeah. Bonne année! Voilà. C'est tout.